Alors le son, j'espère qu'il est pas trop fort cette fois-ci. Salut le chat, salut à tous et bienvenue pour ce troisième épisode, le générique tu te casses pas les couilles. Bienvenue à tous dans le chat, bienvenue à tous. Je vous attends les gars, ensuite on va commencer. Hier on n'a pas pu live malheureusement, mais du coup on sera rattrape aujourd'hui. On avait dit peut-être mercredi la semaine dernière, et du coup bah ça sera pas mercredi, ça sera ce dimanche. Salut Ferune, salut à ceux qui viennent d'arriver. Alors là, du coup, attendez, je vais juste vérifier un petit truc. Est-ce que le son est déjà bon? Dites-moi, les gars du chat. Hein. Dites-moi, les gars du chat, si le son est bon. Hein. Nouvelle coiffure? Non, j'ai juste coupé les cheveux. C'est pas pareil. J'ai absolument pas changé. Attendez, hop. Est-ce que le son est bon? Dites-moi. Un Seiyan dans l'équipe, le titre. Hein. Un Seiyan dans l'équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un mec. Il va casser des culs et il va à skip, il va taper Arion. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça les gars. Aujourd'hui il y a une scène de ouf hein. Arion il va se recevoir un crochet du droit dans la gueule. Rien que pour voir ça faut rester. Faut rester jusqu'à la fin. Salut à tous, salut César, salut Loïc, salut Guatouane, salut Isabelle, salut Nathan, salut Lindosal. Salut à tous, alors j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? La semaine prochaine je vais être en vacances. Du coup ça va être la reprise des live Twitch. Donc je vous ai préparé pas mal de jeux. Il y a notamment le let's play Captain Tsubasa. J'ai acheté le jeu. Donc la semaine prochaine on le commence dimanche. Tous les dimanches à 18h sur Twitch on fait le jeu Captain Tsubasa les gars. Tous les dimanches à 18h sur Twitch il y aura un épisode de Captain Tsubasa. Et puis si vous voulez qu'il y ait le best of sur YouTube là, ce qui arrivera peut-être un mercredi ou un jeudi prochain, le temps que je fasse le best-of, bah dites-le moi dans le chat si ça vous intéresse. Tout simplement un best-of des meilleurs moments du let's play sur YouTube. Dites-moi les gars. En tout cas on commencera voilà le let's play Captain Tsubasa comme prévu sur Switch. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Comment t'as fait pour avoir le jeu? Je suis allé sur un émulateur qui s'appelle Citra et sur un site qui s'appelle Inazuma TV où j'ai pris la ROM du jeu. Voilà. T'as vu l'anime de 2018? Alors Captain Tsubasa, je n'ai rien vu. Ça va être totale découverte. Totale découverte, Captain Tsubasa. Je n'ai strictement rien vu. Bon, je connais, c'est Olivier Tom, machin, mais j'ai jamais vu. Comment? Non, j'avais déjà répondu. Sur la seconde chaîne, le best-of, non? Alors, je sais pas. Parce que ça sera un best-of sûrement sur cette chaîne-là. Cette chaîne-là qui est une chaîne pour l'instant 100% Inazuma, mais je pense qu'il y a pas mal d'autres choses qui vont arriver. Je pense que ça sera plus une chaîne de gaming maintenant. Où il y aura notamment l'esprit Captain Tsubasa. J'ai acheté le jeu Residence Evil Village aussi qu'on fera, un jeu d'horreur. Donc je pense que ça ira sur cette chaîne tout ce qui est best of, live, etc, let's play. Et sur le chaîne ça sera plus de l'IRL, voilà. Bien sûr on continuera les vidéos, hein. Il y aura encore des vidéos Inazuma qui sortiront entre temps. Elles sont passées où les vidéos réactions? Bah je les ai enlevées tout simplement parce que j'ai eu des problèmes avec. Et donc j'ai dû en enlever. Il y en a certaines j'avais pas des problèmes. Mais bon si je laissais une vidéo réaction qui date toute seule tu vois dans le tas, c'est un peu naze tu vois. Genre épisode 17 réaction, non mais tu vois il faut qu'il y ait tous les épisodes sinon ça n'a aucun sens. Il y a je crois l'épisode 2 ou 3 qui était bloqué. Il y en a d'autres aussi donc ça servait à rien. Salut à tous, hein, salut à ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui chapitre 3. Donc épisode 3, chapitre 3, on fait un chapitre par live les gars. Soit à peu près 1h30, 2h à chaque fois. Donc les gars on va continuer. Je crois que ça commence direct hein, donc c'est parti hein. Dédicace à toi le 7ème Okage. Il est là Naruto, il y a Naruto dans le chat. Même tu regardes jamais mes messages. Bah j'essaye. Salut en tout cas Eric. 198, 199, 200. Genre elle fait 200 jongles. Mais elle est nulle cette meuf. Comment elle peut faire 200 jongles? Elle a battu son record. Mais je crois qu'elle a battu mon record aussi. Tu t'es bien amélioré Cerise. Mais ce n'est pas encore fini. Mon but est d'atteindre les 1000 jongles la prochaine fois. Ça sert un peu à rien mais vas-y si tu veux. Cerise est étrange. Elle s'entraîne de plus sérieusement qu'avant. Et semble s'être améliorée. Nous aussi on devrait s'entraîner plus sérieusement. C'est vrai, si elle peut s'améliorer, on le peut également. Oriente ton pied sur 25 degrés vers la droite. C'est un bâtard lui.
Et je viens d'arriver, j'ai rien loupé. Non, t'inquiète, vous inquiétez pas, je viens d'arriver, vous avez rien loupé. Il vient juste de le lancer là. Kinan Zipi, n'abandonnez pas. Juste le micro, il est bien ou pas, les gars? Est-ce que je dois le mettre plus fort? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, encore l'épisode dernier, il était pas assez fort. Et c'est qu'en fait, mon micro, je sais pas comment vous expliquer, mais il capte le son de devant. En gros, je suis obligé de. Il y a un petit point, un petit repère sur le micro qui te dit ça, tu dois le mettre en face de toi pour que ça capte le son. Et en fait, je sais pas pourquoi il a bougé mon micro. Du coup, ça captait le son, c'était là. Et du coup, c'est pour ça qu'on m'entendait moins bien. Du coup, là, les gars, je pense que peut-être que c'est mieux parce que je l'ai remis droit. Je sais pas pourquoi il a bougé le micro. Ok, c'est bon, bah vas-y. Zut. C'est parfait alors. Garde ton calme, j'ai le sentiment que tu réussiras. Désolé, capitaine. Ça y est, maintenant tout le monde l'écoute. Plus fort. C'est bon le son. Plus fort. Mais là en fait c'est le son de mon micro, c'est pas le son du jeu les gars que je parle. Rien ne va. Buddy. Oh non, mais ça ça va être chiant. Il va y avoir un problème encore avec Buddy et... Je crois que je sais savoir le problème qu'il va y avoir. Et tout le monde, il est temps de faire une pause. Ils ont tous des problèmes, y a pas des joueurs qui sont normaux sans problème. Au pire vos problèmes, gardez-les pour vous, on veut pas les écouter vos problèmes. Bravo Arion, tout le monde s'est amélioré, tu ne trouves pas? Oui c'est vrai, ils ont tous fait des progrès. Est-ce que c'est réellement le cas? Quoi? Même s'ils ont pu s'améliorer, ce ne sont que des amateurs. Ricardo, mais tu vois leurs efforts, non? Terry a beaucoup à apprendre en tant que gardien, et on ne sait toujours pas ce que peuvent nous apporter les autres. Buddy n'est même pas capable de contrôler une passe correctement. Peut-être, mais il y a des points positifs. Arion, une coupe du monde ne se gagne pas avec des illusions. C'est le seul mec intelligent, Ricardo, quand même. Hein. Episode 3. Je kiffe le japonais, putain. Il est tellement stylé. Je trouve qu'il a dit que de la merde, mais genre il a dit une phrase de merde. C'est comme nous en français, on dit des trucs de merde, mais les Américains ils trouvent ça stylé. Qu'est-ce que vous faites exprès après l'entraînement? Qu'est-ce que vous faites après l'entraînement? C'est bientôt la fin de l'entraînement, mais j'aimerais m'entraîner encore un peu. Viens si tu veux. Oui, je suis d'accord. Arion, pourquoi il est capitaine? Alors là, c'est une très bonne question, mais on va dire parce qu'il motive les mecs. Bah, en fait, faut être un forceur, quoi. Oh! Gabi? Un match d'entraînement? Avec tous les membres de Raymond? Non! Oui, il n'y a pas de meilleur entraînement. Oh! Oh, alors ça, c'est un truc stylé, ça. Attendez une minute. Le Raymond, le gagnant du tournoi national. C'est mieux de commencer par le collecter toutes les données sur de notre adversaire. C'est un match imprudent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux bien essayer. C'est vrai. Nous pourrons observer le jeu du collège gagnant. C'est une belle opportunité à ne pas rater. Je jouerai contre Raymond et je vous montrerai la formule pour gagner. Ok, c'est décidé. Allez! Oh, c'est incroyable! Ricardo serait mieux en capitaine, je pense. Ouais, moi aussi, mais bon, après, chacun son avis. Hein. Il y en a dans le chat, je sais qu'ils préfèrent Arion capitaine. Des amateurs comme nous, qui deviennent les représentants du Japon, je ne sais pas ce qu'ils peuvent se passer, ce qu'ils peuvent penser. Eh bien, je me demande si le capitaine peut comprendre ce genre de choses. Pourquoi il s'énerve, lui? Estime-toi heureux, frérot, tu sais pas jouer au foot, tu reçois de la thune pour jouer au foot. Il reçoit 10K par mois, il est pas content. Wow. Les menus QR code et du lien SD sont maintenant disponibles. Oula, alors là, les gars, on a débloqué des trucs, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas des joueurs qu'on peut recruter? J'en sais rien. Je sais rien du tout. Peut-être des joueurs qu'on peut recruter. On a des jetons en haut, de la monnaie. Je crois que c'est ça le système de recrutement maintenant. Laisser des petits trucs bleus, rouges et tout. On a 14 bleus, 1 rouge. T'as bloqué les téléchargements. T'as les communautés en gros. Ah ouais, les recrutements par communauté. Il faut aller où pour recruter par communauté?
Faut aller sur le menu du jeu. Info. En pire, on verra ça plus tard. Hein. Regarde la map MDR. Ricardo est un meilleur capitaine, mais pour cette Inazuma Japon, Arion est le seul qui peut le pousser à gagner. Bah ouais, parce que c'est des merdes. Ah, c'est que sur une console hack et tout. Ok, elle est pour les téléchargements, d'accord. Dans la pièce, il y avait des cartes. Bon, on regarde vite fait, hein. On regarde juste vite fait. S'il y a Bailong, on sait pas qui. Non, y'a rien. Ok, y'a strictement rien. C'est pas grave. Alors, on va se TP. On va aller directement à la zone Inazuma qui est. Bah, du coup, on se casse à la gare, j'imagine. Et du coup, on va là. C'est parfait ça. On va revoir les. Putain, ça me manquait quand même la ville Inazuma. Normalement, c'est là que tu commences d'habitude. La ville Inazuma, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Glacia est restée avec l'entraîneur. J'aurais aimé qu'elle vienne avec moi. Ce n'est pas ton ami. Arrêtez de croire que toutes les personnes que vous rencontrez, c'est vos amis. Ce n'est pas ton ami. Oh, faut arrêter. Hein. En parlant de ça, Buddy, aussi tu vis ici, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. Ouais, Tomonobu... Oh, quoi? Tomonobu Gakuen, le collège de Buddy. Ça se voit, ils sont en 6ème division. Ils sont éclatés. Oh, j'ai dit quelque chose de mal. Buddy. Oh non, casse-toi. Ah, mais c'est Buddy. Ils font chier ces persos de merde. Hein. Mais c'est Inazuma Japon. Oh, j'aurais aimé voir un autographe. Inazuma Japon. Ah, ça y est, elle va faire la michto. Elle va faire la michto, vous allez voir. Vous allez voir. Elle a vu que Buddy maintenant il a percé, c'est bon. Pourquoi tu t'intéressais pas à lui avant, hein? C'est trop ça. J'imagine tu as Arion plus Marc plus Asuto qui veulent te forcer au foot. Je pense que si tu veux pas faire du foot et que t'as ces trois là à côté de toi, je pense qu'ils te prennent le ballon, ils te le mettent dans la gueule et ils t'obligent à jouer au foot. Non, j'aimerais pas avoir ces trois là dans mon équipe, clairement. Un seul ça suffit, Marc ça suffit. Fait Naruto Storm 4. Je sais pas, peut-être hein. On verra. Et Poine les gars, je sais pas où il est. Il est où Poine? Poine il est tellement fort. Mais on fera la vie XP recrutement de toute façon. Mais là c'est trop tôt je pense. Au moins vers chapitre 5. Vous êtes venu Inazuma Japon. Hey Arion, JP je suis content de te voir. Ricardo, tu as l'air épuisé. Si tu le dis. Non mais il veut pécho Ricardo. Attendez les gars, je vais juste, ça bug un peu. Je refais le truc. Voilà. C'est lui capitaine maintenant? C'est Gabi le capitaine maintenant. Oh, nous aussi, nous sommes impatients de voir la force d'Inazuma Japon. Ça se trouve, on va perdre. Ne pensez pas que je serai sympa avec vous. Je ne plaisanterai pas. Sale rageux, bah. Ça se trouve, il a trop la haine. Il va les tacler par derrière. Il veut les détruire. C'est vrai, vous êtes peut-être les représentants, mais votre football est misérable. Faisons un match de foot. Ne sous-estimez pas notre football. Commençons cet entraînement que je vous forme un peu. Ça va se jouer sur la puissance, c'est ça que tu insinues? Mais il semblerait qu'ils disent ce qu'ils pensent. Ça ne me semble pas être un vrai match. En montrant constamment ta colère, tu fermes ton cœur inconsciemment. Hein? T'es qui toi? Allons, Michael, du calme. Enfin bref, ce sont Inazuma Japon. Vous vous souciez de vos capacités? Toi aussi, JP, n'est-ce pas? Hein? Eh bien. Il a perdu toute sa confiance en lui. Il a vu un mec d'un mètre 90 débarquer JP au goal, il a perdu toute sa confiance. Bien, commençons tout de suite le match.
Et dans le chat, vous aimez pas Michael, hein. Michael, tais-toi, tu pues. Oh la violence. Retrouvez-nous au stade de Raymond. Dès que vous serez prêt, je vous attendrai là-bas. Mais il est. Oh, t'es qui maintenant, toi? Ça y est, il fait des pauses comme ça maintenant. Il a le brassard, il veut montrer son brassard, hein. Il veut le montrer, hein. On a vu que t'étais capitaine, t'inquiète. Allez, viens, on va les défoncer, les gars. On va se venger des deux let's play qu'on a dû supporter quand même, Michael. Qu'on a dû supporter JP. Qu'on a dû supporter Subaru et tout ça. Enfin, on va se venger, les gars. Sam Gook aussi, on va te ruiner. C'est parti, les gars, c'est le moment de vengeance. Mais ça fait plaisir qu'il y ait un peu d'action. Parce que souvent il y a du blabla. Là, ça veut dire que dans cet épisode, on aura deux matchs. On aura deux matchs, donc c'est cool. Ah, on doit participer. C'était marrant. Le jeu est très drôle. Vas-y. C'est pas comme si j'avais que 11 joueurs et que j'étais obligé de le mettre, mais bon, allez, si tu veux le jeu. Eugène aussi. Eh oui, mais ça se trouve, il est même plus dans l'équipe. Ça se trouve, il est remplaçant. On l'a même pas vu, hein. Est-ce qu'il est là? Putain, il est là. J'aurais bien aimé. Il y a qui du coup en remplaçant? Allez, JP, grosse merde! Allez, ça dégage! Il est remplaçant, ce nul! Ils l'ont même pas mis titulaire. En fait, c'était petit protégé de Arion. C'est pour ça qu'il était titulaire. Maintenant, il est remplaçant. Ils ont remis Sam Gook. Ah, il doit avoir trop la haine. Ça, c'est Gabi, ça, il l'a viré. Allez, JP, va cirer le banc. J'ai encore un Genshin Impact. Ouais, je joue à R25. En vrai, j'y joue un petit peu de temps en temps, mais très peu. Mais j'y joue quand même encore. C'est parti. Et comme je vous rappelle, les gars, dimanche prochain, je compte sur vous sur Twitch pour commencer Let's Play Captain Tsubasa ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai, lui, sa technique baisse les yeux. Ça, c'est incroyable aussi. J'ai acheté aussi Pokémon bouclier, hein. En fait, on a 3 jeux à faire en Twitch, en Let's Play pendant les vacances, voire 4. Et on a Pokémon bouclier. On a le jeu Captain Tsubasa, Resident Evil 8 Village. D'œil du voleur. Et on a un dernier jeu qui est un jeu que un modérateur est en train de me préparer. Un jeu Pokémon random Nuzlocke, en gros. Ça rappellera l'époque. Mais putain, mais ils sont vraiment nuls. Mais regardez-moi cette nullité. Non mais on se fait balader, quoi. Allez, s'il te plaît. Oh, mais ils sont tellement plus forts que nous, putain. Allez, Ricardo, heureusement que t'es là. Il y aura des rediffs. Il y aura les best-of YouTube. Alors, je mettrai pas tout en complet, mais on va dire que sur les 2 heures de live, ça sera sûrement, je sais pas, 40 minutes, une demi-heure d'épisode. Falco, il peut pas que c'est. Oh bien, ah Victor. Putain, en jeu. Putain. On a les esprits guerriers là ou même pas? Même pas. Ah voilà, bah heureusement qu'il est là, lui, hein. Wan Li, toujours aussi lent. Allez, c'est parti. Premier but, les gars, ou pas? Il n'y aura pas un lieu d'entraînement comme dans les anciens IE? Je sais pas du tout. Allez, ça dégage. Il est vraiment nul, hein. Donc Captain Massa, New Race Champion, prend l'école Nankazu. Oula, attendez. J'ai du mal à m'y faire. De même, nous aussi, nous nous sommes entraînés dur, on ne perdra pas contre vous. Mais pour Captain Tsubasa, de toute façon, vous m'expliquerez, hein. Le jeu, je vais le découvrir. Donc sur Twitch, ceux qui seront là dans le direct, on fera ensemble. À skip, on peut créer un perso. On verra. C'est ce qu'on va voir. Bah, tu veux prendre des vacances cet été? Cet été, je vais travailler un peu, les gars. Et en vrai, les vacances, ouais, vite fait, mais pas beaucoup, hein. Mais les vacances, moi, pour moi, ça va être de jouer aux jeux vidéo avec vous sur Twitch, hein.
Ça va être ça mes vacances. Aussi faire des vidéos sur ma chaîne secondaire et celle-là. Ce sera ça. Mais bon, après, moi j'aime bien donc. Cerise! T'es nul! J'attendais rien, je suis quand même déçu. Oh, il est trop fort, Franck. Alors, ceux que j'aime dans l'équipe, il y en a qui m'ont demandé. C'est Falco, Franck, Terry. Et c'est déjà pas mal. Et avec bien sûr Arion, Ricardo et Victor. Frappe parcours! Je sais pas si on fera Shy Shiny. Déjà, on fera l'histoire. On fera le jeu complet. Et ouais, peut-être on fera du Shiny Hunting. C'est comme ça que ça s'appelle Shiny Hunting. Je passe ton brevet demain. Oula. Moi, le brevet, c'était il y a. C'était une autre époque. Hein. Demain, brevet. Ah là là, bah, courage à ceux qui passent le brevet, vous inquiétez pas. Hein. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà parce que c'est en contrôle continu encore ou c'est en quoi là? Je sais qu'il y en a qui l'avaient déjà limite avant de le passer. Bon, c'était pas mon cas, mais je sais que c'est possible. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Pour moi, tu vois, je dis quand je prends une année de plus, les gens ils disent ouais, t'as grandi et tout. En vrai, je suis content quand ils vont dire t'as vieilli, là je me poserai des questions. Tant qu'ils me disent t'as grandi, ça va. Ça veut dire que je suis jeune. Le jour où on me dira t'as vieilli, là. Soir Portugal, Belgique, putain ce match. Donc, vous faites quoi vos pronostics les gars? Portugal ou Belgique dans le chat? Les Portugais, les Belges. Et même les autres. Vous êtes pour qui? Portugal ou Belgique? Moi je veux juste voir un beau football. Portugal, Belgique. Belgique, Portugal. Ah c'est serré. Ah c'est serré hein. Moi l'Italie par contre je les trouve trop fort vraiment. J'adore l'équipe d'Italie dans cet euro. Après t'as des gens ils rêvent de voir CR7 et Messi en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, si ça me fait rire. Ils veulent voir leur ultime affrontement à la finale, tu sais. Et on a un dans les commentaires, il disait pourquoi pas Algérie contre Maroc. En finale de la Coupe du Monde, tu sais. Après peut-être hein, mais bon, ça je pense c'est plus dans les rêves que autre chose, mais bon. C'est ça le 11 de Raymond, ils sont incroyables. Ouais, c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Et je pense que ça serait la guerre en France hein, s'il y a Maroc-Algérie finale de la Coupe du Monde. Ou s'il y a Algérie-France finale de la Coupe du Monde. Et c'est... enfin, c'est fini. C'est fini. La France brûle. Peu importe qui gagne, la France elle brûle. C'est n'importe, ça devient n'importe quoi. Raymond s'est fait humilier par les mecs qui ont jamais joué de leur vie. Mais ils sont trop nazes. Est-ce que ça va, Buddy? Oui, désolé capitaine, l'écran commençait à venir. Ce n'est rien, faisons de notre mieux en seconde mi-temps. Compris. Oh, elle va faire chier elle aussi. Frérot, je vais pas te mentir. Je comptais réviser aujourd'hui. Mais là, tu vois, je suis sur YouTube. Si t'as le brevet, révise quand même. Mais les gars, ça fait plaisir si vous passez sur mes lives. T'as déjà eu un torticolis? Un torticolis, bah déjà eu mal au cou, ouais, mais un torticolis, non. Oh, ce football. Ce football de qualité. C'est beau, hein. Oh, ils ont mis JP. Et là, j'avais vu dans le chat, il m'avait dit ils vont mettre JP en deuxième mi-temps. Ah, ils l'ont mis ce nul. Tiens, vas-y, vas-y. Allez, fais, montre ce que tu sais faire. Ta vieille technique. 69 de valeur. Lui,
aiguille pétée. Mais cette technique elle est gratuite hein. Comment ça un Saiyan? Ah parce qu'ils comprennent pas la miniature. Vous verrez plus tard. Il y aura un Saiyan dans l'équipe. Yo épée Damoclès, tu m'as manqué, ça fait longtemps que je t'ai plus vu. C'est qui? Ça c'est les surnoms qu'on me donnait à l'époque. Épée Damoclès. Bloc défensif. Vous savez pourquoi on me donnait ces surnoms? Parce que j'avais un gros Chibrax. C'est peut-être un peu faux mais... Moi bon, non c'est vrai, non c'est vrai. J'ai un... Désolé c'est vrai, c'est pour ça qu'on me donnait ces surnoms. Que 10 elle coûte, mais elle est éclatée. Ah non, laisse ça va. À gauche. JP va signer à Marseille. Ah, les gars, elle est respectée parce que Marseille, avant, ils ont gagné la Ligue des Champions quand même. Respectez-les quoi. JP quand même. Putain, mais il fait le match de sa vie ce petit nain là. JP Terry, je trouve qu'ils ont la même capacité au goal. Oh là, dis pas des choses qui fâchent. Oh! Putain! Incroyable! Buisson Girl, trop forte. Allez Victor, tu me le termines au fond là, comme à l'époque. Si tu regardes One Piece, on est à où là? Épisode 0. Enfin j'ai regardé juste les 3 premiers épisodes et après j'avais arrêté parce que j'ai regardé d'autres trucs. Mais faudrait que je regarde mais... En fait tout le monde me dit qu'il faudrait que je regarde. En plus il n'y a pas de filler à skip. C'est que des épisodes utiles et c'est ça qui me choque. Il n'y a aucun filler dans One Piece ou très très peu. Dédicace à tous ceux qui regardent le live en révisant en même temps. Et le chat, vous êtes des cracks des fois. Hein. J'aime le couscous. Toi, est-ce qu'il m'a répondu le gars de tout à l'heure Je sais pas qui c'est du coup. J'ai pas vu, merde. Bon, au pire, s'il est encore là, celui qui me connaît, est-ce que tu peux m'envoyer un DM sur Insta si tu veux. Je suis sûr que c'est quelqu'un de ma classe d'avant. Mais je vois pas qui c'est du coup. Parce qu'avec les pseudos on sait jamais. Et j'ai pas vu son message. Dribble en Z. J'aime les pizzas à ananas. Sors du live. Quitte ce live. Pars. Va là-bas. C'est une honte là ce que tu viens de dire. Les pizzas hawaïennes là. C'est une horreur. C'est quoi ton plot préféré vraie vie? Sauf pour moi c'est la Juve. Ah moi c'est Lyon. Mais hors Lyon hors Lyon c'est compliqué. Peut-être le Real. Victor là, bah au 3-0, petit 3-0, bon. Voilà, ça fait 10 P. Cerceau piégeant, ok. Voilà, on a gagné. Bon, sans trop forcer. Tyran A. Tout le monde, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à vous aussi, c'était un match amusant. Pendant le match, je me demandais ce qu'il allait se passer. On dirait qu'on s'est réunis en équipe. Non. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Vous vous êtes beaucoup amélioré, mais... Certains ont encore besoin d'entraînement, dit-il. Entraînez-vous encore de plus en plus. Mais qui êtes-vous pour nous donner des conseils? Non mais
Vous n'êtes pas légitime. Arrêtez un peu. Quoi, vous jouez pas sérieusement aujourd'hui? Oui, d'accord. Bien sûr, si nous jouons sérieusement, l'écart entre nos deux niveaux serait trop grand et vous ne pourrez pas vous entraîner. Quoi, c'est vrai? On dirait les gens là, les gros rageux en mode ouais, mais de toute façon, je t'ai laissé gagner. Hein, tu sais, on dirait les gens comme ça. Cette bande de haineux, non mais sérieux, je l'avais raison. Hein. Heureusement qu'on s'est barré. Ouais, bande d'idiots. Ouais. Si vous jouez sérieusement, j'arrêterai tous les tirs. Voilà ce qu'on veut. On veut cette mentalité dans l'équipe. C'est pour ça que ce gardien, c'est le meilleur gardien qu'on ait. Il a une mentalité de baiser. Il a une mentalité de Saiyan, ce gars. On a deux Saiyan dans l'équipe. Pas un, on en a deux. Voilà, voilà. Regarde-le. Fixe-moi. Je vais être un coup de tête, moi. Quoi, t'as un problème? Voilà, mais c'est ça qu'on veut. On veut une tape JP contre Terry. C'est ça qu'on veut. Hein? Allez, vas-y, chie-toi dessus. Peu importe, laisse tomber. Ah, mais excellent, mais il a mis un coup de pression. Oh là là, il l'a détruit, il l'a terminé. Je me demande s'ils peuvent combattre le monde avec un tel gardien. Là, il nous a fait plaisir, Terry. Hein. Et on va avoir un autre truc après, ça va nous faire grave plaisir. Les gars, je vous dis pas, mais il va se passer un autre truc après. Bon, il est le retournant au jardin de football, allons à la gare. Mais quel crack, ce Terry. Quel crack. Ce parcours est disponible. Ah, d'accord. Donc, le parcours du Steve, ok. Toujours. Mais lui, il sert qu'à ça. La vérité, Steve, il sert à quoi dans Go? Il va faire les parcours des Inazuma KFT. Ses contacts à Steve, c'est les pires équipes du jeu en plus. On est à Odeo. Ah, il y a des coffres. Vas-y, tu sais quoi, les gars, on se fait une petite visite des coffres là. PE+. T'as vu, on a des supporters et tout là. Mec, il est à fond. Pas des petits coffres là-dedans? Oh, il y a une photo. Je vais m'installer l'animé. Non, je suis en train de regarder en ce moment Samouraï Champloo. Je sais pas si il y en a qui connaissent Samouraï Champloo ou pas. C'est vraiment une masterclass. Hein. C'est vraiment une masterclass. Mais franchement, il est sous-côté cet animé. Hein. Je suis sûr que peut-être pas beaucoup connaissent. Parce que c'est pas un animé. Enfin, si, quand même, il est un peu connu. Mais en tout cas, avant qu'on m'en parle, je le connaissais pas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Samouraï Champloo? Yep, je connais. Masterclass, hein. J'ai pas fini encore, mais il est vraiment bien. Ça va, il y en a quand même qui connaissent. Et bah franchement, je vous le conseille, les gars. Vous avez obtenu boisson de sport. On a que des objets nazes ici. Hein. C'est sur Netflix? Ah bon? Moi, ouais, je le regarde sur Voir Animé. Les gars, il y a tellement de trucs que j'aimerais regarder, mais le problème c'est qu'on a qu'une vie quoi. Si j'avais large le temps, je regarderais tout. Par contre, en coffre, ils sont ultra généreux, c'est un truc de ouf. Y a pas une petite photo là? Non, même pas. Ultra généreux, crampon panthère. On va regarder ce que c'est. Alors, crampon chic déjà. Vitesse 5. Mais allez, à rien. Le crampon panthère, vitesse 9. On va mettre à Falco. Ah, j'ai. Terry, le best gardien. Ouais. Bon les gars, vas-y, on connaît déjà, au pire on revisitera plus tard, on va un peu avancer l'histoire. Il faut qu'on retourne à la gare, à l'endroit d'où on vient. Alors du coup on a tout ça, mais ça veut dire là-bas il y aura des trucs encore.
Poignal le seum depuis dans l'équipe depuis Chronostone. Mais depuis Go, je crois. Depuis Go, il y est plus. C'est tout pour aujourd'hui. Tout le monde, préparez-vous pour l'entraînement de demain. Reposez-vous bien. Merci beaucoup. Oh là, on va arriver au passage. Oh là là, ça va être. Oh là là, les gars. Les dialogues vont être difficiles à lire. Je vous le dis. Je suis épuisé. Je vais tout de suite prendre une douche. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ce soir? Oh là là. C'est malaisant. Hein. C'est malaisant. Je suis malaisé là, les gars. Je suis pas bien. Nous connaissons notre adversaire pour le quart de finale. Ce sera. Quoi? Il reste combien de matchs là? On n'est qu'au quart de finale? Je pensais que c'était la demi ou la finale, presque bientôt. Non, je pensais vraiment qu'il restait deux équipes. Donc il reste quart, demi-finale. Il reste trois équipes. D'accord, ok. Les sabres du désert. Gaara. Leur rapidité et leur capacité collective à détruire le jeu de l'adversaire en font l'une des meilleures équipes d'Asie. Ils ne laissent pas de faiblesse de leurs ennemis en les attaquant sans relâche, surnommés lions d'Arabie. Ils ont combien? Ils aiment trop donner des surnoms. Le sabre du désert, lion d'Arabie. À partir de demain, l'entraînement sera spécifique dans ce match contre les Saoudiens. D'ici là, vous avez quartier libre. Eh, hey, des surnoms, t'as peur, hein. Enfin, une pause. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un jour de repos. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais me reposer. Si l'entraînement de demain commence à 8h, vous pouvez récupérer... Ah, mais... J'en ai marre de ces stats, putain, mais arrête! Mais ça se voit, il fait trop des paris sur Winamax, lui. Sauf qu'il gagne rien. Je vais voir mes petits frères. Trina, tu n'as rien à faire, je vais aller au centre commercial avec moi. 800%, il investit dans la crypto-monnaie, il regarde ses stats tous les jours, il est là, il actualise. Est-ce que la courbe a monté? Est-ce que l'Ethereum est... C'est sûr, ce mec, c'est pas possible. Mes cartes, j'ai un préféré. Bah, Marc. Et Hector, bien évidemment. Je vais m'entraîner, mon corps doit être en mouvement, sinon je me sens tout mou. Alors faisons-le ensemble. Ricardo et Victor aussi. Oh. Je participe aussi. Victor, entraîne-moi. Avec plaisir. Buddy, tu veux t'entraîner aussi? Hein? Ne t'embête pas, tu n'as pas besoin de perdre du temps avec moi. Buddy? Bon bah c'est parti hein. On n'a pas eu un long repos depuis longtemps. C'était le bon moment. Victor, je l'aime pas ouf. Je l'aime pas ouf ou il est pas ouf? Parce qu'il y a une différence. Victor, c'est un des meilleurs gardiens. Ce centre commercial est plus gratifiant que je le pensais. Au fait, Trina, quelles sont les conditions que tu as fait figurer sur ton contrat? Moi j'aimerais étudier dans la meilleure équipe de gymnastique rythmique à l'étranger. Dans l'école où j'étais, le niveau était trop bas pour moi. Je vais être au sommet du monde. Mais elle va faire un monologue là. Mais Trina, je sais même pas si elle a fait si elle a enchaîné trois mots dans tout l'espace pour l'instant. Grand frère, tu n'es pas à l'entraînement? Aujourd'hui, nous sommes en repos. Je peux enfin jouer avec vous après un long moment. Vraiment, c'est super. Hey Chip, qu'est-il arrivé à ton visage? C'est Kanta. Quand j'ai caché son jouet, il s'est super énervé, il m'a frappé. Ouais, quand tu l'as volé. Arrête, Chip. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Quoi que tu puisses faire, il ne faut jamais te faire attraper en le faisant. La vérité, il a raison. C'est car si tu le fais... Parce que si tu le fais avoir, tu perds. Mais si tu réussis, tu gagnes. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Ouais, Chip, allez. En vrai, il a raison. Tu fais une connerie, faut pas te faire attraper, quoi. Quel crack, ce Falco. Eh oh, Kizan, tu es trop bruyant, j'arrive pas à dormir. La récupération de la fatigue est effective à 73%. Papa, il en peut plus. Il l'a saoulé. Papa, je ferai de mon mieux lors du prochain match. S'il te plaît, soutiens-moi. Oh putain, et lui aussi, il parle à son grand-père
qui est décédé. Il parle à la photo de son grand-père lui aussi. Force à toi, Rems. Pourquoi force à moi? Merci. Zippy, c'est Eugène version 2. Ouais, un peu. Buddy, tu n'as pas un truc de plus intéressant à faire? D'ailleurs, Buddy, j'ai vu Egor. Egor. Ah ouais, Egor. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent Egor dans le chat? Egor. Igor ou Egor, je sais pas comment ça se dit. Et Buddy, tu parles de l'histoire? Salut, Buddy. Tu ne joues pas à la baballe aujourd'hui? Ah, c'est lui, Egor. 100% c'est lui. Il a une tête à s'appeler Egor. Ils ont entendu dire qu'ils auraient abandonné l'école. Ah, et bah alors, les racailles traînent tous ensemble, ça a l'air bien. Toi. Répète ce que tu viens de dire. Il a démarré. Il l'a vraiment démarré là. Arion, c'est grave. Ouais, mais c'est pas Igor, c'est Egor là, c'est pas Igor. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est Buddy, il a été arrêté par la police. Quoi? Ah, il s'est battu, ouais. Par la police? Il s'est battu contre une bande de voyous sans cœur. Se battre en y repensant, Buddy s'était déjà battu lors du match contre la Royal Academy. Eh, hey, toi, c'est bien moi que tu as traité de faiblard. Ah, c'est un fou lui. Les entraîneurs sont déjà en route pour les. Sur les. D'accord, pour les lieux. Je comprends, on va tout de suite. On y va tout de suite, nous aussi. Oui, il se trouve vers la tour de la ville d'Inazuma. Je vais chercher les autres. Il lui a fait sa technique. Baisse les yeux. Meilleure technique. Buddy a quitté l'équipe. Oh! Quelle nouvelle! Prenons un remplaçant. Genre Bailong. Meilleure nouvelle. Allez à la tour de la ville. Oh putain, les allers-retours, c'est parti. Eh les gars, j'ai vraiment hâte d'être au chapitre. On pourra choisir les joueurs. Hein. Ça va être vraiment le meilleur chapitre. Du coup, je retourne là. Vous pouvez pas installer Inazuma Eleven Galaxy sur 2DS. Faut une 2DS hack, je crois, ou une 3DS hack. Sinon, c'est pas possible. Après, je parle à un expert, mais il y a des gens dans le chat qui pourront vous expliquer. Mais à ce qu'il faut des trucs hack si tu veux mettre sur ta DS. Sinon sur PC c'est plus simple. T'as des émulateurs, c'est plus simple. Buddy est au sud d'ici. C'est en dehors de la ville, dépêchons-nous. Et les voitures sont mieux faites. En vrai c'est un détail, mais c'est plus les voitures Minecraft là. Là c'est les voitures Roblox si tu veux, mais c'est plus Minecraft. Genre c'est plus des gros cubes. C'est juste, elles sont un peu moches, mais c'est voilà. Avant, c'était vraiment cube Minecraft hein, sur Inazuma Eleven 1, 2. Donc là, ça va, il y a quand même de. C'est quand même mieux fait. Au pire, on le laisse en taule. Elle est en garde à vue là. Là, Buddy. Buddy, combien de temps va-t-on continuer à faire ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est rien. Je demande si tu fais ça. Je voulais juste protéger notre équipe. Oula, y a Arthur. Qu'est-ce qu'il a à protéger dans cette équipe? Notre territoire, notre fierté. Ah, c'est ça, votre territoire? Il fait 3 mètres carrés, votre territoire. C'est nul. Tu détruis plus que tu protèges la vie de chacun. Ah ouais, Arthur de Wish, il va se calmer, hein. La procédure est terminée, allons-y. Ça se voit, Redar qui va. Il va faire un accident dans la voiture là. Juste ça, vous n'avez rien à me dire. Tu veux que je te dise quelque chose? Quoi? Non, enfin, comment dire? Buddy. La région, c'est un voyeur. Hein. Je te conseille de regarder Tokyo Revenger. Ouais, il y en a plusieurs qui m'ont conseillé, je regarderai. Quand j'aurai fini Samurai Champloo. Le problème c'est que Buddy n'est pas si grave, n'est-ce pas? Le problème de Buddy n'est pas si grave, n'est-ce pas?
Oui, mais c'est quelqu'un d'assez dangereux. Dangereux? J'ai fait quelques recherches. Il semblerait que ce soit un délinquant qui régnait au sommet de son école. Buddy? Il faisait du trafic de M&M's. Buddy? C'est un mec dangereux, attention, c'était un mec bresson. Trafic de goûter. Il causait aussi des problèmes dans son école. Il allait être renvoyé, lui, ainsi que tous ses amis. D'habitude, il est aussi gentil qu'un Bouddha, mais quand il perd son sang-froid, c'est vrai, un vrai démon. Changement soudain, semble que toute l'école ait eu peur de son surnom, la colère du diable. Ils aiment trop mettre des surnoms, putain. Ils aiment trop. Les conditions embauchées par le coach Black étaient d'être réintégré dans son école avec tous ses amis. Mais c'est étrange. En vérifiant, j'ai poussé mes recherches un peu plus loin. Il n'y avait pas de crainte dans le passé, c'était plutôt une poule mouillée. Il avait l'air d'être un enfant très gentil. Lors d'un accident, il semble qu'il s'est soudainement changé. Après un incident, que s'est-il passé? On n'a rien trouvé là-dessus. De toute façon, Buddy va devoir quitter Inazuma Japon. Quoi? A entendu l'entraîneur Funaki parler. On ne peut rien y faire cette fois, il n'y a rien de grave. Je sais pas ce qui se passera la prochaine fois. Il pourrait nous causer des problèmes bien plus graves. Inazuma Japon sera obligé de se retirer du FFI. En vrai, c'est chaud, hein. Son histoire, elle est dark, hein. Après, il a fait un truc, il s'est passé un truc, tu vois. Mais je pense que c'est avec la meuf qu'on a vu tout à l'heure le problème. C'est toujours les meufs, hein, le problème, hein. C'est avec la meuf qu'on a vu à la gare. Je vais demander l'entraîneur Funaki de ne pas virer Buddy. Ce n'est pas nécessaire. Coach? Je vais demander à ce que Buddy reste dans l'équipe. Voilà. Coach? C'est une décision inattendue. Quelle est l'intention du coach? La vérité, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fout, ce coach. Qu'est-ce qu'il y a à protéger dans cette équipe? Notre territoire, notre fierté? Tu détruis plus que tu protèges la vie de chacun. Mais c'est vraiment un schlag lui. Qu'est-ce que je protège? Êtes-vous vraiment mes amis? C'est pas cool quand tu es faible. J'ai décidé d'être fort. Buddy est revenu dans l'équipe. Oh, je suis même pas content, je suis même pas triste. Ok, c'est ok tiers. Le mystérieux Storm Black est chelou. Ouais, le coach il m'a fané. Il est chiant. Tout le monde sait aujourd'hui que nous jouons. Oh, allez, c'est bon. Deuxième match. C'est aujourd'hui que nous jouons le quart de finale contre les sabres du désert de l'Arabie Saoudite. Ça va bien se passer parce qu'on s'est beaucoup entraîné, soyons confiants. Et nos entraînements c'était quoi? C'était faire des jongles et affronter JP et Eugène. Faisons de notre mieux. Compris. Bien, c'est l'heure du départ. Allons au stade de la route du sacre. Et bah c'est une bonne nouvelle ça. Attends, ils ont skip le scénario. Et ils ont skip Buisson. Ils ont skip Buisson. Il y avait normalement il y avait Trina qui allait faire chier là. Ils l'ont skip. C'est je suis trop fait. Si vraiment ils l'ont skip. Meilleur jeu de la Terre. Le passage le plus chiant. Oh, est-ce qu'ils l'ont vraiment skip ou pas? Normalement c'est là normalement hein. Normalement je crois que c'est là, à ce moment là hein. Ouais, elle va faire la meuf et tout. Allons ça de la route du sacre, c'est parti. Ah vous sentez, ça se trouve je sens la couille arriver là. Ça se trouve, c'était pas au bon moment, c'est là, à ce moment-là. Trina, c'est après. Oh putain, la couille arrive. Putain, j'avais de l'espoir, fais chier. Ils sont trop fidèles. C'est trop fidèle le jeu, l'animé. Ah putain, non, pourquoi j'ai parlé? Il y a elle en plus. Judy, elle s'appelle? Pourquoi Judy est ici? Bon, on sauvegarde les gars. On sauvegarde et c'est parti pour le quart de finale de ces qualifications. C'est parti. C'est dur, on a fait 8ème, 16ème de finale hein. Il y a beaucoup de matchs hein.
quarts de finale des qualifications asiatiques du FFI vont enfin commencer. J'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, le stade de la Route du Sacre opposera Inazuma Japon au Sabre du Désert. Les Sabres du Désert ne laissent aucune chance à leurs adversaires en montrant un jeu écrasant. Comment Inazuma Japon résistera aux Lions du Désert? Je suis impatient d'y être. Les Lions du Désert, c'était une autre équipe, ça? Fais de ton mieux, grand frère. Ça doit être une erreur de traduction, je pense. Buddy. Judy, je n'arrive pas à croire que tu sois venu voir mon match. Genre, il la regarde, il la voit à travers toute la foule. Il y a 20 000 spectateurs. Buddy, il y a quelqu'un dans les tribunes pour toi? Non, je pense pas. Revenez me voir lorsque vous êtes prêt pour le match. Let's go. On doit gagner là. Pas de game over, on a dit. Hein. On a, pour l'instant, on n'a pas eu de game over. La séance de turbus, ça ne compte pas, j'avais fait exprès. Donc pour l'instant, pas de game over. Ça fait plaisir. Je vais pas de game over et finir ce dernier let's play de dernier jeu Inazuma qu'on n'a pas fait en beauté. Allez, parle pas chinois toi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais putain, mais... Ah, c'est lui. Bon bah c'est parti, on a des niveaux 11 notre équipe. On retiendra et on essaiera de voir ils sont niveau combien en face. Oh, il y a beaucoup d'acclamations. Bien bien, ça va être amusant. Amusez-vous bien et profitez-en. Ce match décidera de notre avenir dans le futur. Bien, les cartes finales, c'est parti. Ils ont aucun charisme, l'équipe adverse. Mais c'est fait exprès ou quoi? Ils sont tous du même niveau que nous. Amir, il s'appelle. Leur coach s'appelle Amir. Ça se voit, il a un métier à côté, il vend des kebabs. Glisse sur le sable. Je suis mort. Daron Astif, je sais pas ce qu'il faut. Mettons là en place. Vous êtes prêts? Oui. Je vais vous rappeler la différence de capacité entre nous. Réveille-toi, tactique spéciale. Glisse sur le sable. Oh putain, c'est stylé. Oula. Quel élan. C'est ça la technique spéciale des sabres du désert. Oh là là. Oh putain, merde. Allez, bon, vas-y, tire. Terry. Faut prier Terry, les gars. Allez. Il est... Oh putain, ça utilise... Marée noire. Oh putain. Muda Muda. Rien que pour ça je t'en veux pas parce qu'elle était stylée. Sa phrase. Mais putain, fais chier quand même. Les sables du désert ouvrent le score. Aïe aïe aïe, ce n'est que le début de la première mi-temps, espérons qu'il renverse. Ah putain, fais chier. Allez les gars, oui, tu sers à rien, allez. Allez, laisse-moi jouer le jeu. Ah, j'avais pas vu s'ils avaient monté la puissance du tir ou pas. J'avais pas fait gaffe. On fait des petites passes. Est-ce qu'on peut marquer? Oui, on peut marquer. Allez, Falco. Oh putain, il a fait un raté. C'est quoi ce bordel? Non mais putain, mais on est du même niveau. On est 11-11. On gagne pour les abos. Ah mais c'est eux, ils font aucun effort hein. Moi je fais les trucs hein. On va gagner pour les abos, vous inquiétez pas. Pour les 28 000 abonnés là, on va gagner mais les joueurs font pas trop d'efforts. Par contre c'est OST. Oh la putain de merde. Incroyable essai. Pour moi c'est un des meilleurs de... Bah c'est le meilleur de Inazuma pour moi celui-là presque. Incroyable cet OST.
Je vais la passer à Victor, du coup Victor, tu m'as jamais déçu. Putain merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Non genre je suis un des premiers viewers et genre un jour un des potes sur la suite Colanta, la terre des héros m'avait appelé l'épée d'Amoclès. Ah c'est pour ça que tu connais. D'accord. Arryu Empire. Oh non. Putain, bon c'est pas grave, on aurait pu faire mieux là, mais on n'a pas fait mieux. Mais on aurait pu faire mieux. Oh. Tu es un représentant du Japon, laisse-moi rire, tu es vraiment faible. Faible? Viens de dire faible. T'as bien entendu. Tu vas le regretter. Il va se prendre un rouge. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah là là, le carton. Faute, Buddy s'est déchaîné sur un joueur adverse. Ce Buddy est très intéressant. Ah, ils vont le faire sortir son match. 100%. C'est fait. Buddy, pourquoi t'as fait ça? Buddy, tu as peur? Oh, elle a fait plus de 3 mots. Elle a fait 4 mots. Quoi? Mais tu sors d'où? Elle fait 5 mots maintenant. 5, 6, combien? J'arrive plus à compter, il y en a trop. Avoir peur? De quoi ai-je peur? J'avais dit quoi? C'était à cause d'elle. C'est quoi cette coupe? La chair de Judy. Ce n'est pas cool quand tu es faible. Viens, laissons ce faiblard tranquille. Allons jouer là-bas. Ouais. Hein? Judy! J'essayais de protéger Judy à cette époque. J'essayais de te protéger. C'est effrayant d'être seul. On sait, je sais, on est pareil. Bien, le match reprend. Merci, allez, le match reprend. Merci, le... Oh, le commentateur, je t'aime. Merci, putain. Heureusement qu'il est là. Il a niqué la scène. Bah, c'est facile, là, c'est le skill qui doit parler, là. Victor? Voilà. Victor, tu accélères. On va mettre la première frappe pour nous. Enfin, là, on va mettre première frappe avec Victor. Galaxy ont une équipe éclatée. Bah, il y a Victor, il y a Victor. Victor, il a pas de technique. Ouais, mais mec, c'est Victor, hein, là. C'est pas... C'est pas des lol, là. Kaleo, Victor. Xe. Commentateur, c'est un kebab qui tourne le mec. Vous êtes des bâtards. Le coach, comment il s'appelle? Comment il s'appelait déjà le coach? Il va prendre le commentateur, il va faire une branche de kebab avec. À la fin du match, tu vois les goûters, ça va être le commentateur. À la place des princes et des BN, ça va être le kebab du commentateur. Amir, voilà, Amir, il va faire une brochette de kebab avec Chester Horse Senior. Moi j'ai un problème sur les prénoms à chaque fois. J'oublie toujours les prénoms. Bug? Y'a un bug? Putain mais ce goal mais il connaît que des coups de poing. Par contre il te met des sales patates dans le ballon. Découpage désertique. Voilà. Ah la nouvelle technique, vas-y on la teste. On teste la technique. Cerceau piégeant. Ouais d'accord, elle est pas ouf hein. Parce qu'elle a fait 61 de valeur, le mec il a fait 59.
Ouais, d'accord. Putain, non! J'allais faire la passe à Victor. Oh putain, fais chier. Un partout. Je suis désolé, tu es blessé. En vrai, en attaque, on a personne. Franchement, à part Victor, pour l'instant, on a vraiment personne. Eh bien, avec un tac aussi faible, ce n'est pas comme ça que je vais me blesser. Faible. Je suppose que les poules mouillées comme toi ne savent que compter sur la violence. Tu es vraiment laid. Non, c'est vraiment laid. Hein? Ils veulent faire sortir de son match. Vous allez voir. Tu penses que je suis faible? Mon corps est plus fort que le tien. Ah mais d'accord, on dirait les mecs dans les vestiaires, quand il fait, t'as une petite bite, le mec il fait, moi la mienne elle est plus grosse. Non mais c'est le même niveau là. Je me dis, se battre n'est pas la solution. Allons jouer au football tous ensemble. Attends, je crois que c'est là. Je vais leur faire retirer ce qu'ils ont dit et leur montrer que je suis fort. Est-ce important d'être si fort? C'est mieux qu'être faible. Tu en es où dans ta quête de force maintenant? Quoi? Oh, après tout, je comprends votre bombe. Votre bombe? Il veut faire un attentat, lui, ou quoi? Il faudrait être plus calme pendant la seconde mi-temps. Non, c'est pas là encore. C'est pas là encore la scène. Et on va voir une scène légendaire, hein. Une scène que vous voulez voir depuis longtemps, hein. Vous allez voir. Ils vont encore recommencer. J'espère qu'ils l'ont laissé, la scène. Et non, il faudra refaire sortir Buddy durant la seconde période. S'il reste sur le terrain, le match deviendra difficile. Attendez, s'il vous plaît. Je sortirai pas Buddy pour la seconde mi-temps. Coach, on ne pourra pas gagner s'il continue. Vous devez le sortir maintenant. Tu m'as pas entendu? Buddy jouera également la seconde période, c'est tout. De toute façon, on peut pas, sinon on joue à 10, donc... ça suffit, je dois arrêter d'attirer des ennuis autour de moi. Buddy, après tout... Oh, ta gueule. Allez, on veut jouer, nous. Ceux qui ont vu l'animé le savent. Ils vont savoir, et ceux qui n'ont pas vu, ils vont bientôt découvrir une scène. Et je pense que tout le monde va kiffer. Enfin, la plupart. À part les harions sexuels, sinon la plupart des gens, ils vont kiffer. Je vais t'arrêter. Si tu veux autant la balle, je te la donne, tiens. Passage en force. Ça va. Ça s'appelle la douleur. Ta faiblesse me donne envie de vomir. Ça va. C'est pas possible. Ces gens font exprès d'envoyer la balle sur Buddy. Oui, bravo. Et t'as eu 128, toi. Einstein, la meuf. Eh, on se fait dominer, ces vols, hein. Forcer avec Amir. Amir, c'est le sang aussi. Amir, le coach adverse dans nos cœurs. On n'oublie pas. Ce vendeur de kebab. Victor, passe à Victor. Victor, il est timide un peu. Il est toujours en retrait. Faut pas que tu sois timide, Victor. Allez, Victor, c'est toi qui la soulève. C'est toi le capitaine ce soir. Technique niveau plus. Soulève-le! Putain. Il s'est essuyé la main. À croire qu'il. Il a pas respecté Victor là. Pro Arion ou pro Jaeger? Pro Jaeger, mec. Moi je suis un Jaegeriste, moi. En vrai, je préfère les kebabs que les tacos maintenant. Les tacos, ça m'a passé. Salut, j'espère que j'ai rien raté. De toute façon, il y aura la rediff, mais j'avoue, t'es un peu raté. Mais il y aura la rediff. Mais ce goal, putain, mais il est broken. C'est abusé, les gars. Qu'est-ce que je peux faire? Ils sont nuls, vous m'avez dit, vous êtes sûr? Bah, putain. Si je marque pas là, je suis dans la merde. Saka égale Zidane, il est trop fort ce mec.
C'est notre chance, allons-y. Non mais pourquoi toujours lui? Eh, il y a un partout, je sais pas si vous êtes au courant, mais le but c'est quand même de marquer. Hein. Regardez-le, il va vomir. Il va vomir son petit déj. Je vais tout donner, combien de temps pourras-tu rester calme? Et l'arbitre, il fait quoi l'arbitre? Quel tac féroce, une nouvelle faute, des sables du désert. Et les cartons, tu connais hein. Tu connais pas les cartons hein. Il veut se battre depuis un moment. Ouais d'accord, il peut même plus parler. Vous pensez vraiment nous battre avec un mec si faible? Vous me faites rire. Alors les gars, mais non, c'est n'importe quoi. Je suis pas faible, je suis fort, je suis devenu plus fort. En plus, avec le coach qu'on a, on devrait normalement avoir les arbitres avec nous, tu vois. Vu le coach qu'on a. Mes amis comptent beaucoup pour moi. Si tu deviens plus fort, personne ne te quittera. Jamais. Judy. Tu ne peux pas gagner. Non. Attendez. Au secours. Le pauvre. Oh la pute. Elle s'est enfuie. En plus, il est trop stylé comme ça. Ah ouais. Oh là là, il a un flow, mec. Ah oui, oui. Ah oui, c'est bon. Moi, c'est la vraie force, ça, pour moi. Attends, il y a les flammes rouges qui sortent de son corps. C'est pas la vraie force. Non, si, c'est ça, la vraie force. Vas-y, il va te mettre une patate. Tu vas pas comprendre ce que c'est, la vraie force. Yamelo, c'est le genre de gars qui est vraiment fort. Mais laissez-le s'énerver, laissez-le, il est stylé comme ça. Laissez-le être Broly, s'il vous plaît. Oh non, elle va faire chier. Oh, elle va lui dire, ouais, je suis la meuf de ton enfance, je t'ai toujours aimé, c'était vrai. Oh là, fais chier. Dis-lui que tu le détestes, ça va l'énerver comme ça. Et par contre, elle a une voix. Oh, la pureté, sa voix. La voix de la meuf là. Bon, les gars sont japonais, hein, du coup, je sais pas ce qu'ils disent. Hein. Par contre, la scène est incroyable. Hein. L'OST est incroyable aussi. Oh non, s'il met pas la patate à Arion, c'est la censure. Hein. C'est de la censure, hein. Oh non, il a pas mis la patate. J'attendais que ça, moi. Il devait pas lui mettre une patate, là? Fais chier, vas-y. Il était trop stylé comme ça, putain. Ma vie, c'est un échec. Oh non, c'est nul. C'est nul. Oh non, ils ont enlevé la patate. Les gars, c'était là, ils devaient mettre... En gros, Buddy devait mettre une patate à Arion. Il devait s'énerver en mode Saiyan et il devait vouloir frapper le mec de l'Arabie Saoudite, là, les lions du désert, je sais pas quoi. Du coup, vous devez lui foncer dessus pour lui mettre une patate et il y a Arion qui s'interpose et c'est lui qui se la prend. Oh, je suis déçu. Je suis déçu.
Ce moment, il aurait été incroyable. Je crois que c'était là. Hein. Ta mère, le dromadaire. Ah, rayon. FC censure, hein. C'est trop ça. L'animé, il y avait. Bah, si vous voulez voir, les gars, bon, je vous conseille de regarder l'animé. Parce qu'il y a vraiment une patate. Arion, il se prend vraiment une patate. Il se prend une patate de forain. Hein. Et pas une petite, hein. Le gars, il vole. Hein. En plus, il était vraiment trop stylé comme ça, dans cette mode. Sa mode Fury, là. Bien, Ricardo. On va refaire la passe à Falco. Est-ce qu'il a encore des pétés? Ah, pas assez. Victor. Putain, mais la passe. Non, mais la passe. Et les gars, il y a un partout là. Je. Fais pas de conneries là. Tu vois, c'est les Arions sexuels qui doivent être contents là. Les fans de Arions. Mais là, putain, ils sont en jeu, ils sont en jeu, ils savent pas se placer. Victor, il est trop timide. Depuis qu'il est sur le côté là, il est trop timide. Il est trop timide, putain de merde. Fais chier. Victor, c'est toi qu'on a besoin. Pas ces joueurs de merde là, ils savent pas récupérer la balle. Putain. On a aucune technique défensive. Zéro de défense. C'est pas possible ça. Putain, on peut pas faire le game over là. Oh non. Viens là toi, fais pas chier. Moi des passes au bon moment. Victor, arrête d'être timide. Prends tes couilles et marque moi ce putain de but. Allez vas-y, lance des ténèbres. Ça doit marquer là. Il a plus de pété le goal. 103 de valeur. S'il a encore des pété, on est mort. Allez, let's go. Est-ce qu'il y aura encore le bug? Est-ce qu'il y aura le bug de l'engagement ou pas? Il nous aurait. Oh putain, on est... Le match était un peu compliqué. Hein. Il y a le bug de l'engagement ou pas? Non, il n'y a plus le bug de l'engagement, let's go. Ils ont corrigé ça. Merci. Oh putain, ils ont corrigé un bug qui est intéressant. Pas de game over. Ceux qui voulaient un game over, on vous voit. Hein. Ça sera pas pour tout de suite. Vous m'avez pris pour qui? Encore? Ah ouais, vas-y mec. Putain, il a le Sharingan. Non, il est. Non, c'est Kyobi. Il est possédé par Kyobi, les gars. Il a la puissance de Kyobi. Buddy. Regardez-moi ce Saiyan. C'est parti. Je ne te laisserai pas passer. La musique incroyable. Il a un esprit guerrier, le gars. Son esprit guerrier, c'est Kyobi. Dans cet état, Buddy joue bien au foot. Apparemment, il semble avoir réussi à se contrôler. Ah, il est déchaîné, hein. Non, 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 s'il te plaît. Tais-toi, il va perdre sa force. Catapulte frontale. Il a des techniques de ouf. Lui. Incroyable. Il n'y a pas beaucoup de cinématiques, par contre, dans le jeu, hein. Mais franchement, elle était stylée. Hein. But, la catapulte frontale de Buddy a permis à Ninja Japon de marquer. Et je vais voir des. Je vais voir des Buddy sexuels dans le chat. Hein. C'est le Broly de l'équipe, lui. Hein. Lui, c'est le Broly de l'équipe. Waouh, belle tête. Incroyable. Tu as vu ça? C'est le vrai Buddy Fury. Bah, reste tout le temps comme ça, mec. Hein. Franchement. Reste tout le temps comme ça. Reviens pas avec ton bandeau, là. Buddy, tu t'en es remis.
En vrai, Buddy, il a un flow comme ça. Oh, il est trop stylé. Je vais le mettre là. Il va leur faire sa technique là. Baisse les yeux. Ah, mais par contre, le jeu fait pas chier. Laisse-moi profiter. Voilà le chat. C'était le moment de Buddy aujourd'hui. Hein. Et les musiques sont incroyables. Hein. Sous-côté les musiques de Galaxy. Hein. Je le répète. Hein. Baisse les yeux. Putain. En vrai, j'ai l'impression, limite, il a pas gagné de puissance. En fait, il a juste développé une nouvelle technique et. Et il a gagné, oui, pas mal de flow au passage aussi. Là, je vais le refaire tirer. Voilà, comme ça, on verra sa puissance. Non, mais descends pas, arrête, non. Ah, oh, putain, dommage. Bon, c'est la fin, c'est pas grave. 3-1, les gars. Regardez, Arion, il se relève comme s'il avait rien. Mais ils ont coupé la scène, ces chiens. J'en étais sûr. Ça veut dire ils ont coupé cette scène et la scène de Trina, on va la voir après. Là, je serais vraiment dégoûté. Une de solitaire, esquive du boxeur, flèche des ténèbres. Ils ont mis une de solitaire, ces bâtards. Oh putain, elle était déjà pas assez seule, tu sais. Flèche des ténèbres. Et putain, par contre, on a que des techniques de dribble, on n'a pas de technique de défense, c'est chaud quand même. Je crois qu'on a deux techniques de défense, c'est Ricardo et le mec qui a les lunettes. Zippy. Le match est terminé. Inazuma Japon bat les sabres du désert et accède aux demi-finales. On est en demi, les gars. Buddy, tu as réussi. Ce fut un grand succès. Capitaine. C'est sympa de jouer au foot. Hein? Bien sûr. C'est bien le football. Ouais. J'ai pensé protéger mes amis, mais en réalité, c'était moi que je protégeais. J'avais juste peur que mes amis m'abandonnent. Plus on joue de matchs, plus l'équipe se réunit. La présence d'Arion au centre est indispensable. Oui. Arion a aussi une technique de défense. Ah oui, Arion aussi, c'est vrai. On l'oublie toujours celui-là, mais... Il est utile. Merci d'être venu me soutenir aujourd'hui. De rien, Buddy. J'ai entendu dire que tu faisais de ton mieux à Inazuma Japon. Ouais, fais pas genre, tu l'as su il y a même pas 2 jours. Hein. Tu savais plus qui c'était sinon. Hein. J'étais nerveuse au début, mais je suis contente d'être venu assister à ce match aujourd'hui. Et pourquoi t'étais pas aux 2 autres matchs, dis-moi. Ouais, c'est bon, tu sais quoi, je dis plus rien parce que. Buddy, il est en train de se faire. Il est en train de se faire avoir là. Buddy, je veux que tu le répètes. Que le temps est. Ne dis rien, Judy. Je vais bien. Falco Flashman, Cerise Blossom et cette fois-ci Buddy Fury. Vous prédisiez que cela se produise. C'est la base de votre confiance, n'est-ce pas? Leur pouvoir n'est pas... ce n'est toujours pas ça. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, d'accord. Ah, il me saoule! Tu le sauras tôt ou tard. Continuons à d'y être, coach. Eh, c'est trop, hein, ce mec mystérieux, là. Putain, on a déjà fini le chapitre? On a fait 1h20 de live, on a déjà fini. Putain. Il passe vite les chapitres. Oh putain, on va la revoir. Elle veut pas nous laisser tranquille. Oh, c'est quoi ça? Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je trouve que c'est un entraînement spécial. Je me rappelle pas, mais c'est une machine genre. Très très bien. Oh d'accord, c'est ça en fait. Oh, ça tire. What? C'est quoi ce board? Ça tire des fusées? Ah ouais, d'accord, c'est un délire maintenant. Ah, c'est un autre bail, hein. C'est plus ce que c'était là. Là, ça me rappelle les entraînements de Striker, ça.
je pense que tu dois aller chercher les étoiles et tu dois esquiver les bombes. Je pense qu'il y a des bombes et des fusées qui passent. Ah ouais, c'est un délire. Oh. T'as ton score et t'as le temps. Ouais, mais ça oh là, ça veut dire rage ça. Hein. Ça, quand il y a ça, ça veut dire si c'est dur, ça veut dire rage. Hein. Bon, les gars, vu qu'on est un peu court là, juste on regarde le petit prévise pour le prochain chapitre et on s'arrête là après. Voilà, comme ça on aura fait 1h30 de live. Jardin de football d'Odeiba. Comme ça les Inazuma sexuels sont un peu plus contents. On s'arrête juste après la scène là, les gars. On parle de la meuf qui veut limite faire du sale à Buddy après son but face au kebab. On les a pas respectés, l'Arabie Saoudite. Hein. Oh, c'est les darons à qui ça? Je suis sûr que c'est les darons d'un joueur. Bah c'est ses darons à lui. C'est sûr. J'ai vu, ils avaient des lunettes. Wesh. Oh, ça skip. What? Les dialogues, ils se skip tout seuls. Ah, les dialogues se skip comme ça, genre. C'est quoi ce bordel? Non, vraiment, je ne fais rien, le jeu continue. Ah, ouais, le jeu il s'en bat les couilles. Ah, le jeu s'en bat les couilles, il a fait bon, cette scène pas très utile. Bon, bah, les gars, on ne saura jamais ce qu'ils sont dit. C'est pas normal. Je sais pas, moi. On va voir si ça skip encore. Si ça skip encore, je relance au pire. Non, là, ça skip plus, ok. Bon, je sais pas, il y a eu un petit bug, hein. Tant pis, hein. On saura pas ce que Trina a dit, mais au pire, on perd pas grand-chose, je pense, hein. Avec la pratique, on finit par s'y habituer, n'est-ce pas? Ouais, nos aptitudes ont également augmenté de 27%. Et, oh, les pourcentages, il va me saouler, lui, hein. Après tout, il s'agit tout simplement de bouger son corps. Franck. Il y avait un mouvement de jeu brusque au début, mais après le jeu, ce jeu commence à ralentir. Quoi? Notre jeu doit être plus féroce, il faut aller de l'avant. Je vois. Ricardo nous donne des conseils. Remercie les il R. J'ai pas compris. Je vous remercie qui? Le mec, c'est le frère à Wunderbar. Ah, le gars, le espèce de clown là. Qu'est-ce que... Alors les gars... Oh, la femme de vétéran. L'entraînement d'aujourd'hui est fini. Le dîner est prêt aujourd'hui. On mange du curry, lavez-vous bien les mains. Puis direction cafétéria. Ça se voit, elle est gentille, elle. Youpi, c'est le curry de ma tante. Ne traînons pas. Attends, c'est sa tante? Non. Non, c'est pas sa tante. Moi, j'ai rien compris. Bon, bah les gars, en tout cas, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé ce live, c'était assez cool. Je vais sauvegarder. Et puis voilà, ça, on aura fait 1h30 pour le chapitre 3. La prochaine fois, ce sera samedi prochain où on fera le chapitre 4, du coup. Normalement, la semaine prochaine, on reprend les live Twitch dès dimanche prochain. Avec le nouvel let's play Captain Tsubasa, sur Switch, ça va être incroyable. On verra bientôt Captain Tsubasa, c'est ça. Donc normalement les live Twitch, le planning ça va être ça. Le dimanche on sera tout le temps en live sur Captain Tsubasa. Vous préférez quelle heure d'ailleurs? Quelle heure pour faire les live Twitch? Pas trop tôt? Vous serez plutôt vers quelle heure qui vous arrangerait, les gars? Parce que là je suis en vacances en vrai. Quelle heure vous... Le dimanche, ça vous dirait quoi, en gros. Sinon, la semaine pro, donc là, on commencera dimanche prochain. Et après, normalement, le planning, ça sera le mercredi, on sera en live. Et le vendredi, on fera 3 live Twitch par semaine et 4 live en tout avec YouTube. Donc voilà, et le mercredi, on sera avec Alexandre, normalement, tous les mercredis. Alexandre et peut-être Legendaire aussi. Enfin, et avec d'autres personnes, on fera des jeux marrants et tout. Et le vendredi, je sais pas, on verra. 18h, 16h, c'est tôt, les gars. 18h, ça me semble bien.
16h. En vrai, 18h, c'est comme d'hab. 18h. Avant, je faisais tout le temps 18h. Mais c'est pour savoir si vous étiez plus genre 20h ou 21h. Donc en vrai, 18h, ça va. 16h, c'est bien. C'est pour, au pire, je ferai un sondage, les gars. Ouais, je ferai un sondage, je pense. Ou alors, c'est, je verrai, mais... En tout cas, vous êtes pas trop team du soir, trop tard, quoi. Ok. Bon, bah, merci, les gars, d'être passés sur ce live, hein. Des dédicaces à vous, courage à tous ceux qui passent le brevet. Et puis, merci, tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu avant de partir. Et puis, sur ce, bonne reprise demain pour ceux qui travaillent encore. Et puis, ceux qui sont en vacances, bah, profitez bien, écoutez, hein. Moi, ça sera bientôt aussi les vacances. Donc, à la prochaine, les gars. Ciao. Et à